Bon, et ben, bonne partie à vous trois. On a. Bonne partie. On a un 6-7Q et un Dan en vrai. Contre un Dan et un 10Q OGS. Donc là, on est sur KGS, peut-être 9Q. Voilà. Et j'ai noir, je commence. Hop. Donc le deuxième coup, c'est le loup. Ouais, c'est ça. Le loup joue et me répond. Ensuite, Pénoute jouera, ensuite peau douce, et ainsi de suite. Ok. Ouais, metteur en sourdine, voilà, tranquille. OGS, nickel. Ouais, bon, à la prochaine fois, au pire. Mais bon, on retentera, on verra ce qui se passe. Hop. Pour l'instant, ça joue tout à fait normal, voilà. Sauf peau douce. Pourquoi pas, hein. C'est marrant, ça. C'est marrant comme coup. Qu'est-ce qu'on va répondre à ça? Du coup, ce bord-là est moins intéressant. Il veut même renvoyer l'autre ID. Ce bord-là est moins intéressant parce qu'il est moins large. Donc si on venait par là, ça serait plutôt pour venir ici. Et ce bord-là est le plus large. Donc je vais tout simplement approcher de ce côté. On est en quatrième ligne derrière, donc ça semble logique. Ça peut pas être trop un mauvais coup. Avec le plugin web, c'est pour ça, peut-être. Pourtant, ça a marché plusieurs fois. Pas un truc qui l'a cassé. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Hein. Et là, c'est quand j'ai appuyé sur retenter. Je sais pas si vous avez vu que ça a lancé la partie, peut-être, ou alors c'est une coïncidence de timing. Donc, à voir la prochaine fois. C'est à moi. On va connecter. Et le loup joue en quatrième ligne ici. Ok. Le coup le plus classique, c'est devenu en F3, mais là, ouais, ça doit être tout à fait possible, parce qu'il est déjà en 6ème ligne ici. 5ème ligne, pardon. Donc ça développe un début de moyo, c'est pas mal. Et du coup, c'est à Pénoute de répondre. Ok. Bonsoir à tous, on est 16. Ouais, donc c'est à Pénoud. On a un peu de temps, hein. On a 25 minutes chacun, 5 fois 30 secondes pour ceux qui arrivent là. Et ouais, ça devait avoir 5 de commis. Donc ça joue normal. Blanc LCNT. Et blanc joue plus large sur le bord sud, mais n'est pas du tout solide quoi en soi. C'est friable. Et ça nous approche sur le bord le plus large en soi. Ok. Donc rien de bizarre pour le moment. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on pince. Pour mettre en valeur ses pierres, un petit peu. Rien que ça, c'est assez puissant. Soit on va en R14, je pense. Mais sur ce bord-là, en fait, on pourrait s'écraser assez facilement, je pense qu'il nous écrasera assez rapidement par ici. Ce serait pas forcément agréable. Moi j'aime bien la pince. Ça a l'air pas trop mal. Ça joue pas mal Moyo de ce côté. Quatrième ligne, même s'ils viennent de Sansan, en fait, ça nous rendrait vraiment très costaud. Donc à voir. Roger, t'invites directement les gens avec leur pseudo, ça risque moins d'avoir du squat. Ok, ouais, il faudra que je teste. Invasion Sansan, ok, il y avait comme autre choix de tout simplement faire des contre-pinces, notamment celle la plus courante ici, c'est Q14, je crois, en 4ème ligne. Ok. Donc, c'est à Pénoute. Parfait. Bon, ici, on monte. Si on fait le hanné, il pourrait nous punir assez facilement. Il menace de passer par au-dessous. Là, il menace de connecter toutes ses pierres. Pour le moment, c'est Joseki. Parfait. On revient là.
Ce sera un peu lent de connecter. Et ensuite... Est-ce que c'est la fin du Joseki ou est-ce que ce n'est pas la fin du Joseki? Voilà, c'est la question que doit se poser Penut. Est-ce que la situation est équilibrée ou non, quoi? Et bonsoir à toi, GoDD. Bonsoir, bonsoir. Ouais, je me la pose. Ouais, je me doute que toi ou d'autres êtes encore sur le chat. C'est pour ça que je commente la partie sans essayer d'influencer, que ce soit toi ou les adversaires. Même si, bon, Podus ou Chris, pas comme ils sont... c'est pas Chris, mais Penut, comme il est à mon niveau, bon, pas besoin d'être influencé, je pense. Bon, on sait jamais. Décidé. Ça commence par le goal et de pseudo. Ah oui, ouais. Alors, qu'est-ce qui va se jouer? En tout cas, pour le moment, il y a vraiment deux pôles de domination. Un blanc qui vient ici, qui a quand même les deux coins là et là, donc qui prend plus de place, mais forcément qui est peut-être un peu moins solide. Et ça joue N17. C'est parfait. Parfait, parfait. Effectivement, dès que, imaginons, blanc vient lui-même en N17, c'est très chiant, parce qu'on ne peut pas aller à la fois en N18 nous et connecter en P17 par exemple. Donc ouais, il vaut mieux rajouter un coup et la situation est équilibrée. On pourrait se dire, ah, c'est un peu chiant de rajouter des pierres, mais non, toutes ces pierres-là travaillent très bien ensemble. Et noir, blanc, c'est Podus, le Indan, du coup, qui décide d'envahir. Et effectivement, il vaut mieux, parce que si on renforce, bah, si on avait joué par exemple nous-mêmes à C15, ça commence à devenir assez compliqué. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ici? La question surtout, c'est entre C15 et C17, lequel on a envie de choisir? La plupart du temps, on préfère jouer C15. Pourquoi? Parce qu'on préfère enfermer l'adversaire. Je pense qu'on va quand même avoir des surprises. Bon, normalement, aujourd'hui, la partie sera moins stressante à regarder qu'hier. Ah, vous parlez de gros. Et ça joue D17. Ok, donc finalement, on repart sur un Joseki à peu près classique. Est-ce que c'est intéressant? Je pense qu'à la place de D17, il fallait aller en B15. Forcer l'adversaire à s'écraser un peu. Ici, normalement, quand on fait année une fois, je l'explique parce que ça m'a joué, normalement, c'est pour faire le double année. Après, comme on a déjà une pierre en K16, je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée de faire ça. Surtout que si je fais le double année, on va finir sur le Joseki où ils ont un Poduki. Et avec ce Joseki, il faut se dire que le bord nord est quand même envahissable. Parce qu'avec la descente future en C18, il y a de la Jelly et tout. Donc ce serait très chiant, je pense. On va tout simplement faire ça. On a une pierre en K16, c'est pas mal. On a une belle force. Mais bon, il va falloir bien réussir ce jeu d'influence parce que... Et attention, je ne connais pas bien le Joseki. Bon, t'inquiète. Hein. C'est Joseki ça, en soi, comme on a pire en K16. C'est juste là, il faudra qu'on gère l'influence, quoi. Parce que l'adversaire, il a des points. Si je mets cette vidéo sur YouTube, ben déjà bonjour les YouTubiens et YouTubiennes. N'hésitez pas, si vous le désirez, aimer la vidéo. Et à vous abonner et vous abonner à la chaîne si vous voulez en voir d'autres. Et venir sur Twitch surtout. Allez, salut. Merci. On va essayer de faire ça en 2-2 pour pas vous déranger. Alors, c'est à Penut. Je l'ai dit à la bretonne, du coup, le D à la fin, je dis un peu un T. Et il m'a dit la dernière fois que non, c'était pas du tout... que c'était pas du tout breton. Qu'est-ce que ça va jouer?
Je précise parce qu'il y a quelques personnes qui sont en train de regarder la partie. Si ce n'est pas des personnes du chat, je leur précise les niveaux. Non, rien de nouveau. Satenuki. Satenuki. Ok. Donc là, il y a eu la petite frayeur de mince, mais si on ne réagit pas, blanc va avoir quatre coins. Je comprends. Je comprends. Mais j'ai l'impression que tu as hésité longtemps. Hein. Tu as hésité longtemps entre jouer encore nord-ouest ou justement ce sud-est. Ouais. Ça répond comme ça. C'est intéressant. Cette réponse est intéressante. Parce que. Il me semble que quand on joue avec blanc, si on était décalé un cran à droite, le Takamoku, l'approche la plus classique, c'est de venir au Sansan. Et après le Sansan, la réponse la plus classique, c'est de venir en P3. Mais si l'adversaire, donc imaginons celle-ci décalée à droite et celle-ci aussi, si l'adversaire fait le Tobi comme ça, il y a un petit Tsuji qui est en l'occurrence P3 normalement dans l'autre situation. Mais là, il faut que je me demande ce que ça donne si on fait O3. J'ai l'impression que c'est intéressant. Ouais, je ne savais pas quoi faire. T'inquiète, on reverra ça de toute façon à la fin de partie, de toute manière. On est trop aimé, trop de mateurs ici, c'est ça. Bon, après, il y a 4, c'est nous, et après, 3 gars de plus, quoi. Donc on va jouer ça. Coup un peu particulier. Et ça répond de ce côté. Et maintenant quoi? À toi de nous le dire, Pénoud. Je te laisse dans des beaux draps quand même. Merci, de rien, de rien. Hop. Alors, qu'est-ce que ça va jouer? Ok. Tu menaces de couper. Ici, on verra à la fin de partie, mais effectivement, maintenant, quand tu vois les 4 pierres blanches comme ça en ligne, tu regardes notre pierre en O3 et tu regardes notre pierre en Q3, c'est un Tobi déchiré. Et si tu regardes notre pierre en O3 avec notre pierre en Q4, c'est un Kema déchiré. Donc, c'est des formes qu'on préfère éviter au jeu de Go. Donc effectivement, le coup qu'il fallait faire, c'était essayer de diviser pour mieux régner et aller en P4 nous-mêmes. Mais c'est pas évident, hein, je l'accorde, c'est pas évident comme séquence. Donc ici on va. Arc, ouais, deux fois mauvaise forme. Ouais, mais t'inquiète, hein, c'est pas. Y a pas de souci. Donc on va venir par là, on s'en va. Ouais, c'est ça, c'est dans l'espoir de faire chier chaud d'un côté ou de l'autre, par exemple. C'est ça, c'est ça.
Et si blanc avait connecté, à la place d'aller en P2, on allait au-dessous, et blanc coupait d'un côté ou l'autre, et on obtenait un Ponuki d'un côté ou l'autre. C'était ça le plan. Et blanc fait une extension. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Beau potentiel au sud. Enfin, c'est presque davantage que du potentiel. Un très gros coup, ça aussi. Qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est. On va faire ça. On va essayer de défendre un peu. Effectivement, le Joseki en haut à droite ici, quand tu vois une forme où il y a deux pierres blanches alignées côte à côte avec deux pierres noires, donc peu importe si t'es blanc ou noir, en fait, si c'est à toi de jouer, le premier des deux qui prend l'ascendant est fort. Bon, là, quand on est contre le bord, blanc, c'est intéressant de faire année, mais noir, autant continuer en Nobi, donc il aurait joué également en C13, et c'est le coup qu'on devait jouer tout à l'heure. Et si blanc continue sur la deuxième ligne, ben c'est pareil, il fait un point par un point. Nous, on fait un mur assez puissant tout le long. Et Poudou se dit, j'ai le loup. Pour le coup, j'imagine. Tu vois, parce qu'on. Donc là, c'est un peu, on est un peu forcé de faire ces séquences. Et en fait, la différence de noir continue par ici et fait un mur, noir se fait recroqueviller ici. C'est pas très agréable. Et ça connecte, ok. Ça connecte. Je pense que c'est très gros d'aller par là. C'est très très gros de pas se laisser complètement déchirer. Et ensuite, blanc LCNT. Blanc, il se voit en avance et il a raison. Bah, il a agrandi le potentiel, il consolide et agrandit le potentiel en bas. Ça fait pas mal de points. Si tout devait être pris ici, on pourrait presque se dire que c'est du 3 fois 10, 11, 12, 13, 14. Du 3 fois 14, on pourrait dire. 42 points, quoi. On peut même dire qu'il y en a 45, on va dire, potentiellement. C'est beaucoup. Donc ici, il y en a une dizaine, 55, plus le commis 62, on va dire. Plus ici, une dizaine, déjà, pour l'instant, 72. 72 points pour blanc.
Noir. Je peux pas vraiment dire que là ce soit des points. Est-ce que. Il y aurait quoi? 2, 4, 6. J'irais quoi? 35 points ici. 10 points là, 45. Là il n'y a pas de points. Ouais, on est vers 45. En étant gentil, je pense. Ils prennent tous les coins aussi là. Il manque 11 coups sur cette sixième ligne. Mais en même temps, avec P5, c'est très haut, donc ça se justifie. Très bien, je pense. Hi. Salut et Arendelle. C'est à moi de jouer? Non, c'est pas moi. J'ai cru pendant 2 secondes du coup. Pardon. La petite panique. Ouais, c'est pas évident là de savoir quoi faire. Ouais, c'est le dernier remplacement, dernier bord qui n'est pas encore vraiment défini, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et ça monte, ouais. Parce que là, si Blanc répond derrière, il n'aurait pas aimé qu'on aille nous-mêmes en Q14. Pour continuer à faire notre mur, ça aurait été assez désagréable. Donc c'est logique d'aller là. On va venir ici. Comment on va répondre Blanc? Ça dépend s'il veut du fight ou pas. Est-ce que Blanc veut combattre ici? Il a tout à fait le droit. Hein. Salut Linbogi, comment ça va? C'est vrai que sur la musique c'est un peu silencieux je pense, mais bon comme ça vous pouvez mettre la vôtre à côté. Mais il y a plusieurs qui me disaient que c'était bon, c'était pas incroyable la musique pour la partie. Qu'est-ce qu'il va répondre Blanc ici? Du coup ouais je joue avec Penaud contre le loup, le phoque dans le chat, et Rémi, et ben, c'est Podus. Donc ouais, un Dan contre. Ben, un Dan, et avec chacun d'entre eux, il y a 6, 7 Q et 10 Q. Ah, tu t'es accroché. Voilà ça. Ça défend et on va défendre nous-mêmes. Ok. Blanc est dans une tactique de on a assez, pas besoin de faire plus. Salut Shenblood, ça va? Led Zeppelin ferait les faire. Oui, c'est vrai. Alors, on n'était pas sur du Led Zeppelin, on était sur du ASP. Je sais pas si vous connaissez, c'est du metal gothique. Enfin, goth metal plutôt. Blanc, là, il va nous. Il va nous arnaquer un peu, il va dire oh, on a assez, on va juste réduire, là j'ai l'impression. Ouais, ça va être ça. Hein. Ils vont nous faire chier. Salut, Etosan, bienvenue à toi. T'as un FR? Vérifier au cas où. Ou belge, je ferais très bien l'affaire aussi.
Welcome. Thanks for the raid. Midnight the Blue. And welcome to the 24 guys who arrived. What is the prayer ratings? 6-7 Q with a 1 down player against me 1 down and 9-10 Q. Après. And he is 9 down. Hop là. Is it serious? I don't know. A move was kind of weird in the beginning. Podo starts for the first move with 5-5. I hope not. donc, je vois très bien ce que ça essaie de faire ici. Là, c'est Podos qui vient de jouer ça. C'est vraiment pas mal. En fait, ce coup-là était vraiment pas mal parce qu'il jouait dans un Ogema. Donc, c'est le point faible de l'Ogema. Et là, ça rejoue dans le deuxième point faible d'un autre Ogema. Donc, c'est assez compliqué niveau forme. On est tenté d'aller au milieu, hein. Souvent, quand tu peux couper, là, quand t'as une pierre ici, t'as envie d'aller couper tranquillement. Non, tu vois pas, c'est ça. En fait, tout le monde est sur le chat. Y'a que le loup qui a désactivé. Donc, soit on va comme ça, mais bon, on a des petites faiblesses dans la forme en R5, tout ça. C'est compliqué, hein, comme partie. Très très compliqué parce que ça va là, et même si on coupe la pierre, il s'en fout, il tourne, mais si on coupe de l'autre côté, oh là là, ouais, il est bien ce coup, on est dans la merde. Hein. Je te félicite pas la tâche aussi, bon, t'inquiète, hein, mais... t'inquiète, enfin, si le loup est pas tant que ça au-dessus de toi, hein, t'inquiète. Je pense qu'on s'est juste laissé avoir par tous les prises de coin en début, notamment. Et merci pour le follow, WallerDog. Thank you. On va quand même pousser une fois. Pour voir. Est-ce que ça répond ou pas, déjà. Ça répond. Et ensuite, bah, y a plein de choix. Hein. Je vais faire ça parce que pour pas que tu sois influencé. Parti. Welcome, WallerDog. Oh, sorry. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? En plus, niveau temps, 16 minutes 35 contre 4 minutes 26, ça va pas être facile aussi. Il a dit influencer, moi je dis c'est un indice. Ah, il y en a un qui est futé, je vois. Ok. Ça joue là. Je m'attendais à un coup du genre Q8, je pense. Mais dans l'idée, c'est ça. Parce que je pense que la coupe, ça nous affaiblissait trop. Au moins, là, ça a essayé de sortir un peu, donc ouais. Pourquoi pas. Le problème, c'est ça. Ouais. Si je réponds... Tranquille. Si je réponds... si je réponds ici, il y a tile. C'est le problème. Et du coup, ici, on voit qu'il m'a déchiré. Donc, on va revenir comme ça. Même si c'est très douloureux, je pense. Mais on va revenir, ça consolide indirectement notre groupe ici.
Ouais, logique. Logique, ça aurait été bizarre de pas le faire. Et là, encore une fois, on se fait avoir par un Toby déchiré et Kema déchiré. C'est assez compliqué. Et ces deux pierres sont bien abîmées. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Enfin, c'est pas à nous de... Ah si, c'est à nous de jouer. On dirait un train qui défonce un passage à niveau. Un peu, oui. Belle comparaison. Alors. Chou-chou. On vient de passer à 9 abonnés, on était à 8 au début du stream, mais j'ai eu aucune notif. Il y a quelqu'un d'entre vous qui s'est abonné? What? Bizarre, j'ai eu aucune notif. Comment ça se fait? J'ai pas mal de bugs avec enfin, les quelques abonnements, ils sont pas dans les notifs, j'ai l'impression. Certains, si, les Prime notamment et les dons. Bizarre. Je vois le chat, mais j'ai pas le son, c'est très perturbant. Comment ça, t'as pas le son? Ah, t'as coupé le son. Oui, bah ah oui, c'est le fuck. Oui. Bah, il va pas me répondre du coup. Je suis con. Thanks for the follow, Battle Pro. Battle Porridge. Nice. Et du coup, ça tente de sauver un peu les pierres. Ok. Ok. Ouais. C'est compliqué. Problème, c'est... Si je protège là, tu viens là. Aïe aïe aïe. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. On regardera quelques séquences à la fin de partie. On regardera notamment ce qui pouvait s'envisager sur le 5-5. Le Joseki ici qui n'a pas été fini. Bah là, ça a été très bien joué d'ailleurs. Et on regardera bah, ce Joseki là. On pourra regarder aussi un peu ces séquences là. Voilà, déjà on voit, on identifie ce qu'on pourra regarder après partie. On verra ce qu'il y a. Oula, ça va. On verra tout ça. Allez, perdez un peu de temps, vous aussi, c'est bien. On va peut-être gagner par le temps. Peut-être pas. Ça pousse, ok. Quand ça pousse dans un Kema, normalement c'est pour le couper. Donc tu vas le couper, Podus? Lâche. On perd notre base de vie quand même. Mais en même temps. Plus beaucoup de possibilités.
Donc moi, je vais venir ici. On va faire Hamachi. Hamachi, c'est laisser un groupe instable alors qu'il est attaqué. Dire ça va aller. Bon, normalement, c'est parce que t'as tout calculé. Hein. Et pour jouer un gros coup ailleurs. C'est une sorte de Tenuki, quoi. Sauf que c'est pas d'une situation d'ultra intérêt, c'est vraiment d'une attaque, quoi. D'une menace réelle, quoi. On menace de faire un gros bloc au nord. Là. C'est un moyo ou du territoire? C'est une bonne question. Ouais, bon, c'est le coup auquel je m'attendais ensuite. Logique. Si blanc joue ailleurs, c'est un peu bizarre de pas continuer l'attaque. Ça connecte. Ça attaque là. Cette partie blanchit plus vite que mes cheveux. Allez, oh, oh, oh. C'est pas fini. Oh. C'est pas fini. Il y a de plus en plus de monde qui regarde. Qui regarde ce petit truc. Encore des cheveux. ouais, c'est vrai que Chris, le pseudo, ça me fait penser à un gars grand, fin, avec le crâne chauve. 7, 8, 9... c'est pas la suite à laquelle je m'attendais. Ouais, c'est problématique ça quand même. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, c'était là. On se casse. Parce que si on reste, c'est que je capture la pierre, si on nous enferme, en fait on a un œil, c'est tout. Donc c'est compliqué. Je crois que Chris est parti. Je vais vérifier quand même. Non, ça va, il est toujours là. Ça saute, ça nous copie. Ah, c'est pas évident forcément. Ouais. Minute. 10 seconds. 1. C'est pas évident. 2. Toby. Toby vers le centre n'est jamais mauvais, on dit. Shane Blood, les prochains coups vont répondre à ta question. Quoi? C'est un moyau du territoire. Et on.
Ouf. Ah là 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 là. Ten seconds. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Ok. Et maintenant quoi? Oh, le coup de merde que ça me donne. Bon, on va défendre. Ah, c'est nul. Tout ça, toute cette attente pour ça. Crowd, ce soir, il avait un stream quelque part, c'est ça? Il est intervenant des fois, c'est ça, sur deux streams? Tresse sera pénible un jour aussi. Donne-leur des idées pour voir. Ils sont sur le chat, tu sais. Hop. Alors, qu'est-ce que ça va jouer? Année. Stress, j'ai vu plus 15 secondes, t'inquiète. C'est celle-là, oui. Donc, qu'est-ce que je joue ici? Ten seconds. One, C'est la two, merde. three, four, five, six, seven, eight. De pression, hein. Pas de raison. Ten seconds. One, two, three, four. Bon. Je te propose une chose. Est-ce qu'on abandonne? Parce qu'ici, il faut que je connecte. Le problème, c'est que trouver les deux yeux dans ce truc. Pas que j'ai un doute, mais petit. Une erreur est vite arrivée. De notre part, ou peut-être que vous allez perdre pas le temps.
de la nôtre. Ça recule comme ça. Ouais, ça nous sépare. Je pensais que blanc aurait fait son J7 en mode c'est suffisant. Peut-être que je rejoue ça, je sais pas. 10 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dis donc. On a quand même les quatre coins. Certes. Certes, certes. Attention, ton coup, il ne prend pas la pierre. Ok. Le truc, c'est que si on sort, déjà, si on sort comme ça, on se fait couper. On sortirait comme ça. 10 seconds. 1, 2, 3, Pas d'œil. 4, C'est pas où on va. 5, 6, 7, Bon, 8, 9. Ouais, on va abandonner, je pense, hein, désolé. Ah, on va abandonner. Parce que c'est. Je pense que c'est ben, c'est juste impossible. Parce qu'on a déjà on a moins de points. Et en plus, on a des petites faiblesses. Qui vont se renforcer ou se multiplier quand on va fuir. Parce que là, il faut qu'on crée encore deux yeux. Et ça va être chaud. Quoi, t'as abonné? Bah, GG à vous. Je pense qu'on a pris un mauvais tournant au début. Mais C'est son 5-5 aussi, là. Merci à vous trois. Merci, merci. On va regarder ça vite fait. Tac, tac. Ah, je mets la bonne scène. Ouf. Tac. Voilà. Donc. Ouais, merci à vous. Merci pour la partie. Tac, tac, tac. On aura le même le temps pour une deuxième. Ouais, on pourra faire une deuxième si vous voulez. Tac, 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 tac. Donc l'autre jeu c'est qui là? Ça a été très bien joué. T'as bien fait de rajouter un coup ici. Parce que si on rajoute pas de coup là, Pénoute. Quand ils viennent par ici, en fait, si on connecte, ben, finalement, on a juste un pâté dégueulasse. Et si on roule au-dessous, ben, en fait, c'est horrible aussi. C'est juste horrible. Donc, ouais, il faut rajouter ce coup. En fait, la différence entre les trois, grosso modo, c'est quand tu fais une pince comme ça naturelle, tac, 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 quand ça vient là, maintenant. Il faut jouer là. Donc ça, alors qu'avant c'était en P17. Donc là, il faut jouer le O18. Quand la pince est un cran plus loin. Tac, 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 tac. Là, tu connectes. Parce que c'est un peu plus loin, c'est un peu plus faible. Si tu viens ici, un jour ou l'autre, ça va être très chiant. Entre le N18 et la coupe, c'est vraiment très très chiant. Donc ici, tu connectes en dur. Et quand l'adversaire rajoute un coup, tu peux peut-être rajouter un coup par là ou pas, selon les situations. Hop.
Il y avait un gars qui avait dit GG dans le truc. Avec la grosse pince, c'est ce qu'on a vu dans la partie. Donc c'est les trois un peu de situation. Moi je ne fais pas de seconde, je laisse Chris jouer. Ok. Non, dans la partie on a joué ça. Enfin tu as joué ça. Et là, tac, ici il vaut mieux restreindre l'espace vital de l'adversaire. Lui-même va aller chercher sa vie du coup en courant un peu. Mais ça peut être intéressant de faire ça par exemple. Et là on voit qu'on développe un truc intéressant de ce côté. Par exemple. Ou alors en connectant. Mais quand tu viens ici, donc c'est jouable, c'est tout à fait jouable, grâce à la pierre en K16, mais il faut continuer une fois pour les raisons qu'on a vues dans la partie. Fais un compte pendant la review, t'en as pour 3 minutes. Oui, c'est vrai que c'est assez rapide sur OGS. Voilà. Et à savoir qu'ici, Blanc doit encore rajouter un coup. Enfin, doit. C'est préférable, parce que si Blanc joue ailleurs, c'est quand même un gros coup ça, hein, c'est vrai, quand Noir descend, c'est SNT, ça je l'ai déjà montré plusieurs fois, ce coup-là, cette descente en B13 est SNT. Sinon, Blanc meurt. Attention, quand tu attaques pour tuer ce groupe, je sais que c'est tentant de réduire au maximum, mais avec ça, tu vas laisser vivre l'adversaire. Si tu défends comme ça, Blanc vient là, et c'est une forme vivante. Et si tu fais Atari et contre Atari, après oui ça va arriver, il y a trop de possibilités en fait. Alors que tu peux tuer à 100% en faisant le coup de la sagesse, la descente. Et là, Blanc, même s'il vient là, tu fais année. Non, tu fais ce coup-là, l'adversaire défend, tu viens ici, le année apporte la mort. Et quand l'adversaire défend, à 18. Et là, c'est mort. Si Blanc vient ici, tu viens là. Parce que si Blanc vient là, Atari, s'il défend, tu captures tout. Si Blanc vient ici, tu viens là. Quand il vient ici, tu peux aller là. S'il capture, tu fais Atari, il n'y a qu'un seul œil. Et ben, il peut pas aller là, sinon auto-Atari. Et la dernière séquence, c'est un peu pareil. Si il vient ici, tu viens là. S'il vient ici, tu peux faire Atari. S'il protège, tu fais Atari ici. C'est déjà la forme en 3, c'est mort. Donc voilà. La descente en D18, c'est assez puissante. D'ailleurs, si tu fais D18 et que Blanc répond B18, tu fais comment? Alors. C'est avant. Le Blanc fait B18. Tac, tac. Tac. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est co. Je crois. Je crois que c'est co, ça. Il n'y a pas mieux? Je me demande. Est-ce qu'il y a mieux? Tu peux tuer sans co. Ah non, il faut aller dedans, il me semble. Et quand ça vient là, tac, tac, tac. Ça peut pas aller là. Non, c'est pas ça. C'est quoi déjà? Je l'avais déjà vu. J'ai déjà vu, j'ai vu dans une vidéo de MDZ, je crois. T'as bien fait de bosser la question, parce que moi, je sais que normalement c'est mort. Mais comme je le joue jamais et que je regarde jamais la séquence, ça sort de la tête. Le coup de la sagesse en premier. De quoi? C'est 18 en premier? Non, la sagesse, c'est à 13 connexions.
Ok. Ah, ici, là, ça peut pas vivre avec ça, donc blanc fait pas ça. Après l'échange du hané. Ah, d'accord. Hané. Tac, 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 ok. Ok. Ah, le B19 marche aussi, non? Parce que blanc, il n'a pas le choix de faire ça. Quand on vient là, il n'a pas le choix de capturer. Et tu viens là, c'est mort. Avec C18. Ça a pas l'air de bien marcher, si. Ah, si, il y a ça aussi en fait. Ouais, les deux marchent en fait. Ok, les deux marchent. Ça roule. Ok. Du coup, ici, ils disent venir là, protéger, tant pis pour la séquence. Les deux ont l'air, ouais. Bah, merci, merci, merci de me faire réviser. Voilà, petit point sous mes go. Ouais. Ici, du coup, je me référais en fait à la séquence. Ou comment on fait ces trucs? Modification. Tac. C'est quoi? C'est quand tu fais. Ouais. Tac. Qu'on envoie comme ça. Si blanc joue ça, tu peux répondre là. Parce que la réponse. Mince. Oh, c'est nul. La réponse la plus classique pour blanc ici, c'est de jouer ça normalement. Et là, bon, je monte pas les joseki, ça quitte pas mal le truc. Mais si blanc joue. Si blanc joue ça. On a ce petit coup. Si blanc descend, le couper. Et blanc, s'il fait Atari d'un côté, on vient là. S'il prend la pierre, on vient là. Il défend, on prend la pierre là. Ah, non, il faut pas que je fasse ça. Et ah, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Tac. Tac, oh, bref. Je suis un peu paumé. Hein. Je suis un peu paumé. On va juste supprimer ça et faire jeu. C'est pas le plus facile, KGS, pour ce truc-là. Tac, tac, tac. Donc j'ai montré celui-ci. Hop, 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 hop. C'était le coup inverse, mais c'est pas grave. Et. Tac, si ça pousse de l'autre côté et que ça prend. La même chose de l'autre côté. Bon, imagine que c'est les pierres noires et du coup le chichot marchait. Donc ça, c'est intéressant. D'ailleurs, je vais profiter pour remettre les bonnes pierres. Et si jamais ça connecte, ce qu'ils n'ont pas fait dans la partie, mais si jamais ils avaient fait ça, tu viens au-dessous et si ça va d'un côté, tac, contre-attaille, tac, et tu prends la pierre. Ou coupe ici, tac, tac, tac. Donc selon ce que tu veux. Dans la partie, du coup, je me suis inspiré de ça en fait pour jouer ce coup à ce moment-là. Ouais, moins 40 c'est dramatique, mais bon, bref. Et donc s'ils avaient joué ça, je pense à ça. On pourrait se dire c'est très gros, mais il reste des petites menaces en allant par là, hein, je pense. Donc ça va. Et un Ponuki, c'est vraiment plus puissant. Et bien sûr, s'ils vont de l'autre côté, encore une fois. Pouf, pouf, pouf. C'est pas mal, je pense. On a peut-être envie d'aller rajouter un coup. C'est un gros coin quand même. C'est un gros coin. Mais dans la partie, du coup, ils sont descendus. Et là, ce que ça donnait, c'est. Bon voilà. Ils montrent un peu les séquences. Tac, tac. Eux, ils disent qu'on tue là, mais bon. Si on reste simple, c'est on prend la pierre. On fait contre-attari, on défend, on prend chichot. Et si c'est de l'autre côté, on défend, ça prend la pierre, attari, et on prend ça. Alors, pour mon noir, non, pour mon N17, N17, donc pour moi N17,
a fait prendre du retard. Je voudrais sécuriser le coin au gauche. Ah ouais? Il y a une faiblesse vraiment dans le si tu rajoutes pas N17, je trouve. Tac. Toi, t'aurais été là, du coup, imaginons. Je trouve que c'est il y a plus de potentiel là que là. Mais c'est assez douloureux en fait, je trouve. On se retrouve direct avec un groupe, on sait pas trop quoi en faire. Ouais. C'est un différent style, j'imagine. Et du coup, dans la partie, ouais, c'était assez douloureux là, de se faire déchirer. Ça, pour moi, c'est vraiment là qu'on a pris. Bah, c'est avec, entre ça et ça qu'on prend le retard, perso, je trouve, faire ça. Tac. Et sinon, ouais, c'est ici. Ici, ici. Donc là, il faut plutôt tourner comme ça. Si jamais ça pousse ici, on peut bloquer alors, parce qu'il n'y a plus l'Atari. Le groupe blanc est flottant. Ouais, mais le groupe noir aussi. Donc ça va courir ensemble et après il pourra peut-être plus rentrer facilement rentrer dedans. Je sais pas. Donc ouais. Tac. Et là, blanc. Sûrement une séquence comme ça, quoi. Et venir vivre dedans, quoi. En soi, pour le noir, on n'a pas de points. Bah, je pense qu'on est assez content de rajouter ce coup, j'imagine. Et blanc vient par ici. Une séquence du genre. S15 noir. Ouais, à un moment, on pouvait là aussi. Q6, ouch. Q6. Ah oui, non, oui, effectivement. Effectivement, on va peut-être protéger d'abord. Ah ouais, donc c'est compliqué quoi qu'il arrive, quoi. Ouais. Bon, de toute façon, c'était assez compliqué. Y a pas mal de faiblesses, en fait. Si blanc vient par là, même. Faut regarder ça, pas mal. C'est assez chiant pour isoler ces deux pierres, déjà, avant. On se fait complètement écraser. Même si on connecte, bah c'est. Enfin, on peut pas connecter vraiment. En fait, on décrave, on défait tout. Quoi. Il reste toujours le R2. C'est vraiment douloureux. Vraiment, vraiment douloureux. Bref, dans la partie, il y a quelque chose d'autre. Pas vraiment de notable, parce que tout découle de ça. Ici, je voyais. Non, c'est pas ça. C'est. Ouais. Là, tac, Six. Tac. Mais je pense pas que ça marche très bien. Je lisais ça. Mais bon, ça fait un œil, quoi. Ça fait un œil. J'ai bien mis du piment dans le jeu. C'est ça, ouais. Fallait rendre la partie intéressante. Bah, GG à vous trois. C'était sympa. C'était sympa.